travers de nos lances. C'était un temps d'une grande tristesse. Et Ewa a tant pleuré qu'un grand lac s'est formé. Tu n'as pas d'autres vêtements ? Ses larmes coulaient et creusaient des rivières dans leurs sillons. J'espère que je m'inquiète pour rien. Mais quel est le rapport avec la forêt des Kinglore ? Le temps que ses larmes parviennent à la mer, les il n'y a pas d'honneur à fuir ce combat. Les palmiers, les fougères et d'autres arbres avaient prospéré. Notre forêt. Nous ne sommes pas des combattants, Ezois. Et Touwa devrait le savoir. Et Touwa est une championne. Nous devrions tous combattre à ses côtés. Ce cuir boit toute ma teinture. Elle s'est déjà... Tu es déjà de retour. Tu as abandonné cette recherche inutile ? Ceux qui viennent du ciel semblent plus téméraires. Ils font ce qu'ils veulent, comme s'ils étaient chez eux. Je ne veux plus jamais les revoir de ma vie. Capable mérouillé, je vais lui montrer, moi. Oh!
Il faudrait peut-être retourner à l'arbre maison. Il le faut. J'aimerais rester dans la forêt un peu plus longtemps. Un Sarentu ? Bonjour. Merci de m'avoir accompagné à la cueillette. C'est ça ton excuse ? Je pense que tu voulais juste passer du temps avec moi. Non, ça n'est pas ça.
véritable proie. Oui, j'ai eu de la chance. Peut-être qu'elle méritait de vivre. Ne doute jamais de tes talents de chasseuse. Tu as fait ce qu'il fallait. Un Sarentu est venu assister à ma première chasse. Quel bon augure. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Tu avais raison. La créature n'a pas compris que nous étions cachés si proches. C'était une bonne stratégie. Viens, approche. Nous avons plein de viande à partager avec nos amis Sarentu. Nous partageons toujours nos richesses. Veux-tu un peu de viande ? Passé dans la forêt. Un autre cadeau des rois. Les Sarentu et les Aranae sont amis. J'ai aperçu une pousse de Tarsium non loin d'ici. Si tu veux la voir.
Thank you.
ferons-nous quand ceux qui viennent du ciel seront partis? Nous vivrons nos vies, j'imagine. Un Sarento. Bienvenue. Comment te sens-tu? Tu veux arrêter la cueillette? Je me sens un peu confus. Tu penses que le pigment me fait tourner la tête? C'est possible. Continuons un peu, puis nous irons nous reposer. Laisse-moi un peu d'espace.
Je vois des sortes de foreuses. Des foreuses laser. Oh, cool! Ces engins peuvent percer la roche comme si de rien n'était. Bon, c'est une méthode assez ravageuse d'extraction des ressources. Voyons, si tu veux les neutraliser définitivement... Oui, bien sûr, l'ordinateur central, trouve-le! Tu pourras alors pirater les terminaux et réduire les foreuses en flaques de métal fondu.
Il est forcément dans les barrages. Ferme-la et retrouve-le. Tu te plans court. Des flèches. Allez, viens, montre-moi tes dents. Oh!
Alex, je suis devant un de tes labos. Il est vide et complètement éteint. Ah oui. La plupart ont été temporairement éteints. Depuis un moment, pour être honnête. Avec la RDA qui s'active de plus en plus, il a fallu en fermer quelques-uns et se rapprocher du QG. Je peux utiliser ces labos, tu crois ? Alex, j'ai réussi. Le labo est de nouveau en marche. Parfait. Je commence déjà à recevoir des données. Il se passait tellement de choses dans ces labos. Mais la plupart des recherches et leurs précieuses données ont été abandonnées. Il devrait y avoir un terminal connecté au QG. On va voir si ça fonctionne. Tu peux essayer d'utiliser le terminal, s'il te plaît ? Alex, tu m'entends ? Je t'entends parfaitement. Sache qu'il y a un terminal comme celui-ci dans chaque labo. N'oublie pas de les regarder en passant. Qui sait ? Quelqu'un du QG pourrait avoir des infos intéressantes. Bon, je te laisse tranquille.
Thank you.
Hey, Salt Lake, j'approche d'une très grande base de la RDA, dans la partie nord de la forêt des Kinglore. Évite cet endroit si tu tiens à la vie. Il y a plus de soldats dans cette base que les Kinglore dans la forêt. Et n'essaie même pas de t'en approcher à Dodiclan. Les tourelles anti-aériennes te tueront à vue. Ok. Je vais essayer d'éviter le coin pour l'instant. Mais c'est quoi cet endroit ? On dirait une sorte de raffinerie. Ils ont pas lésiné sur les moyens. Ouais, je te le confirme. Je vois un gros gisement de pétrole. J'imagine qu'elle produit un max de déchets. Non ? D'après ces plans, il faut d'abord que tu neutralises les conduites d'eau et de pétrole.
c'est du poison, peut-être. Oui, mais je ne sais pas si c'était volontaire. Je ne comprends pas ceux qui viennent du ciel. Font-ils ça pour blesser Eywa? Pourquoi? Je ne suis pas sûre qu'ils fassent ça volontairement. Peut-être qu'ils ne voulaient même pas blesser la forêt. Ils seraient capables de faire du mal par accident? C'est inacceptable. Pas d'autres vêtements?
Aside. Et sera consterné par la désobéissance des Touwa. Tu chasses parfois? Et Touwa devrait être plus. Leurs chemins ont changé et ils se battent avec d'autres. De nombreuses branches et de nombreuses racines pour un seul arbre. C'est un vieux proverbe, Aranahe. Tu penses sûrement que Kanat est obsédé par ses traditions. Mais certaines choses ne doivent pas être oubliées. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Tu as manqué cette partie de ta vie. Mais Eiwa nous lie tous. La Grande Mère est partout. Cette connexion doit être entretenue. Partage avec le clan. Fais attention à leurs besoins. Ils le remarqueront et partageront avec toi en retour. Tu verras, tu ne seras plus jamais seul, mon enfant. Tu es enfin chez toi. Ceux qui viennent du ciel, ils finiront recouverts de nos lances. Et Touwa provoquera notre perte.